Shepard, encore merci d'être venu au mur des réfugiés. Je me sens mieux. Tout est plus clair maintenant. J'espère avoir été utile. J'arrive pas à croire que Cerberus ouvre le feu sur des civils. Aussi tordu et cinglé qu'il soit, je pensais que l'homme trouble tentait de sauver l'humanité. Je suppose qu'il est prêt à tous les sacrifices pour gagner. La bouche de celui-ci est un peu usée. Ravi de vous voir, commandant. Vous entendez ce son? C'est moi ou quoi? Ok pour l'amarrage, Normandie. Vous avez besoin d'un transport? Je dois aller aux ambassades. Oui, commandant. Oui, je comprends parfaitement la situation. Bien sûr, je passe en revue le nom des morts tous les jours, mais... Pitié, pitié. Encore quelques minutes de recherche pourraient soulager ma famille pour le restant de nos jours. Vous avez de la famille portée disparue? Mon fils Bilal. Et je ne peux pas vraiment compter sur la compassion bureaucratique. Je suis l'ambassadeur Dominique Osoba. Le commando de mon fils est revenu de la mission sur Benning sans lui. Je les ai trouvés en train de boire à l'électron libre, mais ils m'ont ignoré. Je peux offrir une récompense pour toute information. Si Bilal est en vie, nous voulons qu'il rentre. S'il est mort, alors... Alors nous pourrons faire notre deuil. J'ai trouvé ça sur un cadavre de Benning. Je crois que c'était à votre fils. Ah... Oui... C'est ce que je redoutais. Ses camarades avaient tout l'air de noyer leur chagrin. Nous pouvons faire notre deuil maintenant. Merci. En utilisant Hades Gamma comme tremplin, les prisonniers... Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'amarrage D-24. Cessez toute activité. Ennemi détecté aux coordonnées d'atterrissage. Joker, qu'est-ce qu'on a? Les capteurs montrent un moissonneur au complexe du voile. Vous n'arriverez jamais à y faire atterrir une navette. Tout le monde dans le centre de commandement. Gardez un contact visuel avec le voile. Compris, chef. Nouvelle forme de moissonneur. Utilise voile pour empoisonner l'atmosphère de Tuchanka. Problématique. Ils veulent la guerre. Ils vont la voir. Primark, on va avoir besoin de vous. Ça risque d'être difficile. Nos pertes sur Palaven ont été catastrophiques. On fait ça pour Palaven. On n'a jamais dit que ce serait facile. Qu'avez-vous en tête? Une attaque combinée.
Votre peuple frappe le moissonneur depuis les airs. Et Vrex, au même moment, vos soldats lancent une attaque au sol. Ensemble, vous pourrez l'éloigner de la tour. Oui. Diversion. Petite équipe peut atteindre complexe du voile et synthétiser remède. Eve devra venir avec nous. On n'a jamais affronté un moissonneur d'aussi près. C'est bon pour tout le monde? Vous voulez rire? En avant, Pitchak. Il est temps de guérir le génophage. Commandant, nouveau message marqué urgent. Je le mets en salle des transmissions. Dans la trace? Shepard, nous savons que vous avez rejoint Tuchanka. Et j'imagine que Mordine vous a suggéré d'utiliser le voile? Vous nous espionnez? Nul besoin. Le voile est le seul plan d'action qui ait une chance de fonctionner. Commandant, ne laissez pas vos naïves affinités avec les Krogan obscurcir votre jugement. Croyez-vous sincèrement que guérir le génophage peut mener à une paix durable? Nous devons laisser cette chance aux Krogan. On ne peut pas condamner une race tout entière sur de simples suppositions. Ce qui se passera, c'est que les Krogan proliféreront dans tous les sens. C'est pour leur nature barbare que nous avons édifié les Krogan, pas pour leur talent de diplomate. Une nouvelle guerre est inévitable. Que voulez-vous, Dalatras? Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Mordine devrait vite trouver et réparer la défaillance. Mais si vous l'en empêchez, cela compromettra la viabilité du remède qui restera sans effet. Nul ne verra la différence. Vous voulez que je roule les Krogan? Inutile qu'ils en sachent trop. Laissez croire à Urnod Vrex que vous avez tenu parole. Mordine n'approuverait jamais ça. Je vous laisse vous occuper de lui, commandant. Nous mettrons à votre disposition nos meilleurs scientifiques pour construire le creuset, ainsi que l'ensemble de nos flottes. Si je sabote le remède... C'est à vous de voir, commandant. Réfléchissez bien. J'ai ordonné au clan de se rendre dans les ravins. C'est notre lieu de rassemblement sacré. Nous atterrirons là-bas et dirigerons un convoi blindé contre le moissonneur. Ce sera le rendez-vous avec l'histoire des Krogan. Histoire Krogan pleine d'événements critiques, souvent sanglants. Pas cette fois, j'espère. Commandant, qu'est-ce qui vous trouble? J'ai reçu un message de... Vrex, c'est vous libre. Les moissonneurs sont déjà dans les ravins. Sortez l'artillerie lourde. Accrochez-vous. On y va. Je pars. Écartez-les de la femelle. Je vais mettre les choses en ordre avec les autres clans. Tout le monde choisit une cible et surveille ses fesses. En avant! Les voilà! Avancez! Les laissez pas monter juste! Je sais pas, c'est moche par ici. Quoi qu'il arrive, tenez-les à l'écart de la femelle.
voilà d'autres. Cet exploit un jour ou l'autre. Notre sol s'est enfin gorgé du sang du moissonneur. Il faut atteindre le voile. L'escadrille est en haute. Femelle sauve, Shepard. En bonne santé. Que fiche un galarien ici? Ce n'était absolument pas prévu. Plusieurs Krogan. Problématique. Qui êtes-vous? Urdnot Vriv. Frère de portée de notre illustre chef. Vriv et moi partageons la même mère. Rien de plus. Et j'en suis heureux. Je me souviens de ce qu'est un vrai. Nous écorchons vifs nos ennemis et nous les noyons dans leur propre sang. Nous ne les invitons pas chez nous. C'est une perte de temps. Maintenant, il faut enterrer votre rancune contre les Galariens. Tant qu'on blesse une logée de balle dans le crâne, il est temps de... Du calme, Vriv. Le galarien est avec nous. Vous pouvez rester là à retourner le couteau dans de vieilles plaies. Ou vous battre contre votre ennemi naturel et donner un avenir nouveau à nos enfants. Je choisis de me battre. Qui est avec moi? Je le suis. Et moi aussi. Maintenant, relevez la tête, comme de vrais Krogan. Nous avons un moissonneur à tuer. Le seul Krogan à vouloir se venger du génophage, Varix. Il faudra parvenir à les maîtriser. Je demanderai que le Conseil nous rende une partie de notre territoire. Il nous faudra de la place. Et ressusciter la gloire des anciens. Gloire des anciens mena aux rébellions. Morts innombrables. Création du génophage. Expansionnisme problématique. Comment étaient les anciens Krogan? Toute Shanka n'a pas toujours été comme ça. Autrefois, les Krogan étaient un peuple fier. Nous avions des rêves, un futur à contempler. Et Galarien intervenu? Non. Nous avons détruit toute Shanka nous-mêmes. La technologie nous a changés. Elle rendait la vie trop simple. Nous avons cherché d'autres défis, et les avons trouvés chez nos semblables. La guerre nucléaire était inévitable. Désormais, notre planète est en ruine. Il nous faut un autre endroit où vivre. Je dirais que votre aide face aux moissonneurs vaut bien une planète. Ou 10. Vous ne savez pas à quelle vitesse nous les peuplons. Vrex. Quoi? Une fois le génophage éliminé, nous aurons du temps à rattraper. Commandant, dans la navette, vous vouliez dire quelque chose? La Dalatras a tenté de passer un accord secret avec moi. De quel genre? Elle a dit qu'ils avaient saboté le voile il y a des années. Le remède sera sans effet à moins de le réparer. Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Elle nous croyait donc aussi ignorants? À bon droit. Test probablement inutile. Mais familier avec procédure GSI. Peu ajusté. Pas venu de si loin pour rien. Vous avez évité un autre génocide à notre espèce, commandant. Je vous avais dit qu'on pouvait compter sur lui. Pourquoi nous arrêtons-nous?
Vrex, vous et Mordine restez avec Eve. C'est mal parti par ici. Entendu. Les moissonneurs sont plus gros que le français. Le collecteur d'échappement ne tiendra pas le coup. Avançons. Regardez ce moissonneur. C'est la fin du monde là-bas. Que se passe-t-il? C'est à moi. Tout ce que vous buterez avec sera à moi. Et souvenez-vous de me le ramener à la fin, Kuma. C'est dangereux de s'arrêter. Si elle a rien de compagnie, reste dans le camion, Kuma. Comment on fait? C'est quoi le souci? La route est coupée. Le convoi passera pas. Escadrille Artimek, ici Shepard. Nous avons perdu du temps. Retardez l'attaque. Négatif, commandant. Nous sommes en approche. Le moissonneur nous a repérés. La frappe aérienne seule ne suffira pas. Il faut y aller. On doit construire une nouvelle route, on ira. Shepard! Je perds le contrôle, je vais tomber! Bougez! Shepard, que se passe-t-il? Vrex! Sortez vite la fenêtre d'ici! Artimek, vous êtes là? Bien reçu, sauvez vos pilotes. On s'en sortira seul. Il y a un tunnel par là. C'est peut-être une issue. Allons-y! Vrex, vous me recevez? Tout le monde va bien? Ouais, quelques bobos. Rien que le Galarien ne puisse guérir. Le camion de Vrive s'en est sorti aussi. Les Turiens ont dû annuler la frappe aérienne. Il nous faut un nouveau plan pour le moissonneur. Il faut d'abord vous trouver. Où avez-vous atterri? Sous le sol. Nous voyons des sortes de ruines. Commandant, c'est la cité des anciens. Comment on en sort? Il n'y a pas de carte. C'est à l'abandon depuis des milliers d'années. Vous êtes un pionnier, Shepard. Faites le chemin et nous trouverons un lieu où parler. Rien n'arrêtera le remède. Et ça recommence. C'était pas une secousse. Vrex, vous sentez ces secousses? Rien du tout. Ça pourrait être autre chose, commandant. On dit que Kalros, la mère de tous les dévoreurs, vit par ici. Raison de plus pour ne pas traîner dans les parages, Shepard. Activez. J'ai bien entendu. Kalros, la mère de tous les dévoreurs? Quand les Krogan baptisent un dévoreur, vous savez que vous êtes dans la merde. Ils s'imaginent que personne n'arrivera à le tuer. Au hasard, je dirais... Kalros? Si c'est le bruit qu'on entend là-dedans, il vaudrait mieux partir d'ici. D'autres Rakhni. Il doit y en avoir plus que ceux que nous avons tués. Vrex, il y a des Rakhni ici. Ouvrez l'œil. Je sais. On vient s'en payer quelques-uns. Tout ce qui compte, c'est d'atteindre le voile. Trouvez-nous, vite. Enfin, de la lumière. Dans ma jeunesse, j'aurais adoré prendre le temps d'étudier ces ruines. On peut se demander où en seraient les Krogan s'ils n'avaient pas fait sauter leur planète. Vrex, on a réussi à sortir. Bon. Si vous pouvez voir le soleil, c'est un progrès. Et de la verdure. Je croyais qu'il n'y en avait plus sur ce monde. Vous contemplez l'espoir. C'est tout ce qu'il en reste sur toute Shanka. C'était un monde vibrant de beauté. Avec de la chance, il peut le redevenir. Shepard, ce moissonneur cause toujours des
On essaie. Ce sera une autre affaire de s'occuper du moissonneur une fois là-bas. Eve a peut-être raison. Guérir le génophage pourrait mener les Krogan vers devant, la Renaissance. Devant, il y a du mouvement. Gardez les pieux braqués sur notre périmètre. C'est pas le moment de se faire piéger. Terminé. Une idée folle dont nous parlerons plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de sortir de là. On se croirait sur un champ de tir. C'est un piège géant. Et le pire, c'est que je parie que Vrex est content. Attention, en voilà d'autres, droit devant. Je les vois. Et de votre côté. Alarmé mais abusé. Carros est vraiment très menace. Je peux sentir la haine de cette saleté. Je
presque semé Calros. Descendez de là qu'on vous trouve. Shepard, venez par ici. Dave, garde un œil sur ce dévoreur. Je ne veux pas qu'il nous chope en douce. Faites vite, Rex. On est exposés. Bougez! C'est Calros! Bougez, Shepard. On est là, allez! Evrive. Impossible qu'il ait survécu. C'était un emmerdeur de toute façon. Fini sous-en. Un moissonneur nous attend. Nous n'avons pas de plan. Je sais que nous avons déjà fait l'impossible. Mais atteindre cette tour... Je sais pas, Shepard. Nous vaincrons le génophage, quel qu'en soit le prix à payer. L'avenir de mon peuple en dépend. Alors j'espère que l'idée dont vous parliez est bonne. C'était la sienne, en fait. Calros, attirons-la vers le moissonneur. Ça pourrait marcher? Stratégie déjà discutée. Il faut distraire moissonneur, l'éloigner de Tour pour synthétiser et diffuser traitement. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle viendra? D'après la légende, c'est la mère de tous les dévoreurs. C'est autant chez elle que chez nous. Si Tuchanka a un tempérament, Calros l'incarne. Personne ne lui a jamais survécu. On a traversé le relais Oméga 4 sans y laisser notre peau. On peut survivre à ça. Vous avez du cran, Shepard. Comment faire pour l'attirer? La tour a été construite dans une arène consacrée à Calros. Les Galariens pensaient qu'elle effraierait les intrus. Apparemment, c'est réussi. Il y a deux marteaux à dévoreurs ici, et d'une belle taille. Si vous pouvez les activer, vous attirerez Calros, ça distraira le moissonneur. Entre-temps, laboratoire proche, finir synthétisation du traitement. Et essayons de nous en tirer vivants, ça nous fera une belle histoire à raconter. Attendez. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, vous avez été le champion des Krogan, un ami du clan Urgnot. Et un frère pour moi, pour tous les Krogan nés après ce jour. Shepard sera synonyme de héros. À présent, montrons-leur pourquoi. Allez, je m'en charge. Je suis Urnot Price, et ceci est ma planète. On se revoit de l'autre côté. Restez en vie, Shepard. Le remède sera prêt. Il faut entrer là-dedans! Shepard, j'ai réglé le compte de Serakni. Mais quelqu'un doit lever ses marteaux à dévoreur avant de pouvoir s'en servir. Brett, on est occupé! Coup de bol, je suis là. Je m'en charge. À se faire déborder ici. Par la déesse, à gauche! Que vous mettez à couvert,
J'ai du mal à croire qu'on est en train de faire ça. Ne vous arrêtez pas! Que la déesse soit avec eux. En avant! On fonce! À gauche, l'un des marteaux! Le deuxième est à droite! Les atteintes est un autre problème! C'est de la folie! Dans 2 minutes. Processus traumatisant pour Eve, mais non létal. Recherche de Maëlon inestimable. Elle va bien? En sécurité maintenant. Sa survie est heureuse. Stabilisera nouveau gouvernement en attendant nouvelles idées de Vrex. Avenir prometteur pour Krogan. Merde! Salle de contrôle au sommet de Tour. Je dois prendre ascenseur. Vous allez monter? Oui. Accès manuel requis. Je dois contrer sabotage, GSI, pour assurer dispersion optimale. Mordine, tout va sauter. Il doit y avoir une autre solution. Contournement impossible, à distance. Contre-mesure GSI active. Pas le temps d'ajuster remède selon variation thermique. Non. Pas d'autre option. Pas de retour. Conseil, partez vite. Mordine, non. Shepard, s'il vous plaît. Chose nécessaire. Mon projet. Mon travail. Mon remède. Ma responsabilité.
Je voulais mener test sur coquillage. Je suis désolé. Moi pas. Devait être moi. Risque d'erreur si fait par quelqu'un d'autre. Rien à s'arrêter, plus de rien. La température est désormais correcte. Dispersion initiée. Mon expertise en xénosciences porte autant sur les structures urbaines qu'agraires. Je suis. Il y a longtemps, mon père m'a trahi à cet endroit. Il a tenté de tuer son propre fils. J'ai dû le tuer. Juste un peu plus loin, le génophage nous avait avilis, comme des bêtes. Mais aujourd'hui, vous avez tout changé, Shepard. Maintenant, on se battra pour nos enfants, pas contre eux. C'est vraiment dommage que Mordine soit mort. C'est ce qu'il aurait voulu, c'est certain. Où qu'il soit aujourd'hui. Je suis sûr qu'il parle de nous, bien. On donnera son nom à un des enfants. Peut-être à une fille. Mais vous, commandant, on peut vous remercier en personne. Dites aux Turiens que j'envoie immédiatement des troupes sur Palaven. Et quand vous irez bouter les moissonneurs hors de votre planète, prévenez-moi, les Krogan sont de retour. Au revoir, commandant. Qu'est-ce que vous allez faire? Attiser la flamme de l'espoir. Des clans se rassemblent dans la vallée de Kelfic en ce moment même. J'irai leur parler pour qu'ils ne gaspillent pas cette chance. Merci pour tout ce que vous avez fait. Au fait, Urdnot Bakara est votre ami. Vous avez fait du sacré boulot, commandant. Guérir le génophage, je ne pensais pas voir ça un jour. Vrex a accepté d'aider les Turiens, amiral. Nous devrions avoir leur soutien. J'en déduis que nous pouvons faire une croix sur les Galariens. Le prix de leur soutien était trop élevé. Soit, je m'en remets à votre jugement, commandant. Nous tâcherons de nous passer d'eux. Fin de transmission. Commandant, Urdnot Vrex a envoyé des troupes sur Palaven. Vous avez tenu parole, maintenant c'est mon tour. La hiérarchie turienne soutiendra les humains contre les moissonneurs. Je suis heureux qu'on puisse s'entraider. C'est notre seule chance de vaincre les moissonneurs. Voilà qui est bien parlé. Plusieurs bâtiments en cale sèche peuvent aider à la construction du creuset. Garrus va les coordonner. Entendu. Et le moment venu, l'ensemble de notre flotte sera prête à défendre la Terre.
Que les esprits veillent sur nous tous. Je m'occupe de gérer l'appui turien tout de suite. Vous devez être épuisé. La mort de Mordine, ça doit pas être facile. Je dormirai quand je serai mort. Pour gagner une guerre, il faut avoir les idées claires. On n'a pas le droit à l'erreur. Vous devriez aller faire un somme. Je veillerai à ce que Joker ne lance pas de mission suicide. Au moindre incident, faites-moi signe. C'est ouvert. Shepard, il y a quelque chose que vous devez savoir. Très bien. Je tombe mal. Je pense à quelques amis qui ne sont plus là à cause de cette guerre. À cause des moissonneurs, pas de vous. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Kaidan sur Vermeer. Il est mort en nous donnant le temps de vaincre Sovereign. En voyant ce qu'il nous tombe dessus maintenant, il se dirait que ça n'a servi à rien. Vous savez que Kaidan ne dirait pas ça. Ouais. Une raison de plus de le regretter. Vous vouliez parler? Le conseiller galarien veut vous parler au plus vite. Il a appelé la salle des transmissions. Le conseil doit prendre le creuset vraiment très au sérieux. Je vous retrouve en bas. Commandant, quand vous aurez fini de réécrire l'histoire, j'aimerais m'entretenir avec vous. J'ai fait un choix, conseiller. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Oui, nous aurons bientôt plusieurs milliards de Krogan sur les bras. Heureusement que je vous dois la vie, Shepard. Sinon... Je m'inquiète pour votre représentant humain, le conseiller Donnel Udina. Mes agents viennent de découvrir qu'il détourne de fortes sommes d'argent. Nous ignorons encore dans quel but. Si c'est vrai, nous devons tirer cette affaire au clair, et vite. En effet. Je vous attends à la citadelle. Nous discuterons de tout cela en privé. Valerne, terminé. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. Commandant, vous voulez discuter de quelque chose? Où en sont nos préparatifs, amiral? Je ne vais pas vous mentir. Les choses se présentent mal dans plusieurs secteurs. Il faut accélérer le rythme et obtenir quelques victoires, sinon... ça finira mal pour la race humaine et toutes les autres. Et pour les alliés qu'on a rencontrés en chemin?
Les Krogan et les Turiens ont été d'une grande aide. C'est une bonne chose pour nous qu'Urdnot Vrex soit aux commandes. Et la femelle Krogan que vous avez sauvée nous apporte toujours plus de soutien des clans. Content que vous ayez désamorcé cette bombe sur Tuchanka. On aurait pu perdre le soutien des Krogan. Là, on récupère des troupes turiennes. Tant mieux. Qu'en est-il des Galariens ? Développement intéressant. Des équipes d'intervention du GSI promettent de nous fournir un soutien en sous-main. Même si on a guéri le génophage ? D'après nos renseignements, il y a des dissensions entre militaires et politiques. Les gars du GSI connaissent la chanson. Ils ne vont pas mettre en danger toute l'Union Galarienne juste parce qu'une Dalatras n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et les Rachni ? Je n'y aurais pas cru, mais les Rachni nous aident à fabriquer le creuset. Vous plaisantez ? On dirait qu'ils ont un don pour les armes de destruction massive. Avec du recul, je crois qu'ils savent très bien comment mener une guerre galactique. Pas de problème avec eux ? Ils ne sont pas vraiment amicaux. Ils flanquent une trouille bleue à nos ingénieurs. Mais à part ça, ça va. Et les mercenaires d'Aria ? Aria. Quelqu'un avec qui je n'aurais jamais cru m'associer. Les berserkers seront utiles. Et violents. Des Vorcha, il paraît. On utilisera les soleils bleus à bon escient. Nos infos indiquent que Darnor Vosk vient avec ses hommes. Eclipse envoie des troupes et des mechas. Quand nous aurons trouvé un point faible, ils nous aideront. Je ne veux pas savoir comment vous avez obtenu l'aide d'Aria, mais honnêtement, ça valait le coup. Est-ce que vous savez comment s'en sortent les autres races face aux moissonneurs ? C'est assez incroyable, mais les Turiens et les Krogan semblent plutôt bien s'entendre. Urdnot Vrex a déployé des troupes. Ils ont réussi à stopper les moissonneurs. Les Galariens tiennent encore sur Surkesh, mais les moissonneurs commencent à resserrer les taux sur eux. Et les Asari ? Elles commencent à sentir le danger. Les moissonneurs avancent rapidement en direction de Tessia. C'est intéressant. Les moissonneurs épargnent Parnak. C'est la planète d'origine des Yag. Je le comprends. Les Yag ont des crocs. Si on perd cette guerre, c'est peut-être eux qui domineront le prochain cycle. N'oublions pas que les moissonneurs n'exterminent pas toutes les races. Seulement celles qui peuvent les menacer. Et pour les Volus et les Elcor ? Turien et Krogan ont envoyé des forces sur Irun, le monde des Volus. Ça ne suffira peut-être pas, mais au moins les moissonneurs sont embourbés dans une sale guerre terrestre. Quant aux Elcor, ils se battent toujours, mais d'après nos projections, les moissonneurs prendront bientôt leur territoire. Qu'est-ce qui est arrivé aux Butariens ? Tués au premier tour. Ils n'ont pas eu la moindre chance. Et sans alliés pour les aider, je crois que les Butariens sont de l'histoire ancienne. Est-ce qu'on a des nouvelles des Cariens et des Guettes ? Ils se trament peut-être quelque chose à la frontière Guette, mais nos infos sont floues. Moins ça va, plus les infos sont dures à obtenir. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Terminé. Bethany, vous avez vu les vidéos du dévoreur qui vient à bout d'un moissonneur ? Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça ? Moi, je suis juste contente que l'équipe de base soit partie. Ok, à mon tour. Quel est le premier ordre donné par un commandant de l'Alliance au début d'un combat ? Je sais pas. Exact. Très bien, mon vieux. Qu'est-ce qu'on dit quand un Turien se fait tuer par un horrible monstre plein de piques ? Que c'était des tyrannies. Elle est vieille, elle date de Shang-Chi. Faut respecter les classiques. Combien d'humains il faut pour activer un relais de masse en veille ? 602. 600 pour voter, 1 pour demander une assistance technologique aux Asari, et 1 pour réclamer un siège au Conseil après. Comment savoir qu'un Turien est à court de munitions ? Il utilise son balai dans le cul comme arme de secours. Pourquoi l'Alliance engage des pilotes avec des eaux de verre ? Sans déconner,
Les militaires turiens ont une blague sur moi? Ouais. C'est un soldat qui me l'a raconté sur Palaven. Alors pourquoi l'Alliance engage des pilotes avec des os de verre? Pour que ces marines aient une chance de vaincre quelqu'un aux entraînements. Oh, il faut la sortir à James, celle-là. Hé, hey, c'est quoi le plus difficile quand on veut soigner un Turien qui a pris une roquette d'un côté du visage? Trouver le côté qui a pris la roquette? Si on m'avait dit qu'un jour les Krogan et les Turiens seraient alliés, ça va peut-être faire un peu réfléchir les moissonneurs. Un peu plus que ça, je dirais. Désolé pour Mordine. C'était un homme bien. Il était toujours en train de faire des expériences. Une fois, il m'a demandé combien de fois j'avais. J'ai jamais su pourquoi. Et vous voyez cette bosse sur mon coude? Il disait que c'était juste une déformation. Mais je parie qu'il m'a collé une sonde. Au moins, c'est sur le coude. J'ai toujours pensé qu'il était fou. Utile, mais fou. Ensuite, il se sacrifie. Pour sauver les Krogan. Ce qui confirme un peu la thèse de la folie, non? C'est pas faux. Mais c'était l'un des nôtres. Bon, et maintenant qu'on a les Krogan et les Turiens, on fait quoi? Les Krogan nous aident à renverser la situation sur Palaven. Pour une fois qu'ils seront utiles. On continue de creuser, c'est ça? Ça me va, hein? Quel effet ça fait de savoir que les Krogan chanteront vos exploits jusqu'à la fin des temps? Je pense que ce serait un honneur. Il y a assez de malheur dans l'univers. Ça fait du bien de voir un truc tourner rond pour une fois. J'avais jamais été impliqué comme ça dans des événements historiques. Bon, à part l'attaque de la citadelle par Sovereign et la base des récolteurs, mais... ça m'a fait du bien. Pourvu que Vrex reste la pièce maîtresse sur Tuchanka. On devrait peut-être lui fournir un goûteur. Imaginez le carnage si quelqu'un comme son frère, Vrive, dirigeait. Ça pourrait arriver. Je sais, c'est un risque à prendre. Mais pour tout dire, si mon propre monde n'avait pas été menacé, j'aurais accepté le marché des Galariens. Je n'aurais jamais pu faire ça, peu importe la proposition. J'admire votre retenue, Shepard. C'est une bonne chose de pouvoir sauver la galaxie sans écraser une autre espèce. Comptons sur notre bonne étoile. Commandant? Je me demande où vivront les Krogan maintenant. J'ai jamais vu ce qui pourrait être une maison sur Tuchanka. Je me demande où vivront les Krogan maintenant. J'ai jamais vu ce qui pourrait être une maison sur Tuchanka. Commandant, l'amiral Hackett requiert votre aide contre une base de chasseurs de Cerberus sur Noveria. Ce circuit est presque à bout. Bonjour, commandant. Vous pensez que le remède dispersé pourrait nous faire quelque chose? On ne va pas se couvrir d'écailles, hein? Maintenant qu'on a les Krogan avec nous, on peut retourner combattre les moissonneurs. Je regardais les données du moissonneur abattu sur Tuchanka. C'était un petit modèle. Bon, il est toujours mort, mais... il avait franchement rien de petit. C'est quand vous voulez.
du génophage, ça vaut bien plus que tout ce qui peut se passer au conseil municipal de Milgram. Le nom de Milgram ne me dit rien. C'est sur quelle planète, déjà ? Beckenstein, juste à côté de la citadelle. J'ai grandi dans une colonie. Commandant, vous avez une minute ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous venez juste d'introduire un remède au génophage. Des millions de Krogan vont se battre contre les moissonneurs. Qu'avez-vous à dire à ceux qui pensent que l'humanité déclenche une autre rébellion Krogan et une guerre Rakhni ? C'est facile de se souvenir du pire de l'histoire Krogan, mais il ne faut pas oublier les bons moments. Ce qui veut dire ? Les Krogan ont été des héros, et ils veulent le redevenir. Et on leur donne cette chance. Vous êtes conscient que le clan Urdnot exige déjà une ambassade et le droit de coloniser un monde auprès du Conseil ? Les Krogan viennent à la rescousse d'une planète du Conseil. Peu d'espèces peuvent en dire autant. Je les ai aidés à guérir du génophage. Le reste se passe entre le Conseil et les Krogan. Et voilà, de la bouche même du commandant Shepard. C'était Diana Allers. Rendez-vous demain. Bonne soirée et bon courage. Ok, je vais l'ajouter au reste du reportage et l'envoyer au QG pour approbation. Commandant ? Gabi, tu penses quoi de Trénor, le nouveau quartier maître ? Elle n'est pas quartier maître, Ken. C'est l'officier des transmissions. Tu n'as aucune chance avec elle, de toute façon. Tu n'es pas son genre, si tu vois ce que je veux dire. Oh ! Dans ce cas, pourquoi tu vas pas lui parler, toi ? Et pourquoi pas ? C'est pas comme si ça se bousculait au portillon. Si jamais ça marche, pense à moi. Fais une vidéo. Commandant ? Vous vous installez, Jaavik ? Certains membres de l'équipage veulent être mes amis. Ce n'est pas mon but ici. J'ai aussi besoin de me laver les mains. Les résidus sont forts sur ce vaisseau. Comment ça ? J'ai fait une visite. Il y a des traces rémanentes des anciens occupants du Normandie. J'ai senti une femelle humaine. Sa structure génétique n'était pas naturelle, comme si c'était une création artificielle. Sûrement Miranda. Et un Drell, avec une maladie. Tain. Le Krogan que j'ai rencontré et qui vivait dans ces quartiers, il subissait une métamorphose. Ses souvenirs étaient confus, comme étrangers à son corps. Confusion et grand tourment. Je n'arrive pas encore à faire ça avec mon cerveau. Lire les indices comme vous. C'est aussi naturel que de respirer pour mon peuple. L'évolution est une chose incroyable. Nos scientifiques pensaient que c'était la seule force importante dans l'univers. Ils appelaient ça l'impératif cosmique. Les forts survivent, les faibles disparaissent. Les gouvernements de votre cycle semblent vouloir assurer la survie de tous. C'était l'opinion de vos scientifiques ou est-ce qu'ils ont prouvé quelque chose qu'on ne sait pas ? L'univers l'avait déjà prouvé. Il suffisait simplement d'observer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu ? L'extinction est la loi du cosmos, l'ordre naturel des choses. Les races les plus faibles sont condamnées à disparaître. C'est le devoir des forts de protéger les faibles. Sinon l'anarchie régnerait. Mais ceux qui n'avaient rien à offrir étaient éliminés. Le conflit est donc une façon d'exister ? C'est l'évolution qui l'exige. Les forts deviennent plus forts en dominant les faibles. C'est pour le bien général. Je doute fort que votre Asari approuve mes croyances. Lyra ? Je pense simplement qu'elle voyait les protéines différemment. Nous sommes tous les produits de notre époque. Si j'étais né dans ce cycle, je serais peut-être le noble érudit qu'elle aimerait que je sois. Vous pensez que ça vous plairait ? C'est vraiment différent. Aucune idée. Ma vie n'est que combat perpétuel. Je prends des vies à chaque bataille. Je sais que c'est difficile de penser différemment. Je ne connais qu'une façon de penser. C'est ce qui me modèle. Tout comme une sculpture, la pierre ne choisit pas la forme qu'elle prendra. Vous et moi, commandant,
C'est la guerre qui nous sculpte. Nous sommes prisonniers de ce schéma. Plus pour longtemps, j'espère. Après la victoire, on sera libre. Vous avez tué un moissonneur? J'aurais aimé voir ça. Peu importe, il y en aura d'autres. Beaucoup plus. Oui, le combat sera difficile. J'ai entendu parler de l'offre des Galariens. Je l'aurais accepté sans rien dire au Krogan. La morale et l'amitié ne comptent plus. Vos alliés ne sont que des ressources à utiliser contre les moissonneurs. Si les Krogan veulent se venger du passé, inutile de leur envoyer un fléau. Détruisez-les directement. Mais pour l'instant, ils sont de la bonne chair à canon contre les moissonneurs. Peu importe les autres, faites ce que vous devez. Commandant. Pas de signe de vie? Le moissonneur détruit par le dévoreur semble complètement inerte, docteur. Et il faudrait envoyer des équipes pour être sûr. Hors de question. Dites au Krogan de ne pas s'approcher. Le génophage, les Krogan n'ont plus de raison de se retenir, non? Vrek sait ce qu'il fait, mais peut-il tenir la bride aux Krogan? Ou est-ce qu'il va bâtir un nouvel empire Krogan? Eve a pris la tête des Krogan. Elle me rappelle quelques-unes des meilleures matriarches que j'ai rencontrées. Les Krogan ne se laisseront plus rouler dans le caniveau. Pas comme après la rébellion. Il va falloir accepter qu'ils aient un plus grand rôle dans la galaxie. J'espère que les Krogan seront à la hauteur de leur héritage. Bonjour, Shepard. Merci pour le paquet de données. Les résultats sont disponibles sur le terminal du réseau d'information. Le chef mécanicien Adams voudrait vous parler dans la salle des machines. Les Turiens nous ont donné un accès complet à leurs données opérationnelles. Leurs bâtiments viennent déjà appuyer la flotte de l'Alliance. Vous avez réussi à lier Krogan et Turien. C'est une chose d'entendre parler du commandant Shepard, et une autre de le voir en action. Commandant ? Commandant, bonne nouvelle pour l'installation du conduit thermique. Ça a marché comme sur des roulettes. Encore mieux que nous l'espérions. Je vous l'avais bien dit. Mieux encore. Alors qu'elle intervenait sur nos condensateurs, Mademoiselle Daniels a eu une révélation. C'est beaucoup dire. Elle et Donnelly ont extrapolé quelques améliorations théoriques pour nos condensateurs. Idea et moi les avons vérifiées et rédigé nos conclusions. Le cœur de notre réacteur est trop compact pour appliquer nos théories. Mais cela pourrait aider les ingénieurs du Creuset. Passez le mot, et je leur enverrai les plans. Allez-y. À vos ordres. Bravo à toute l'équipe.